Kaba Diakité, secrétaire national adjoint et financier du commando de PASTEF, dont il serait le chef, arrêté il y a 2 semaines, n'est personne d'autre que l'ex-mari de la célèbre Kate Biz. L'actuel propriétaire de l'hôtel des ambassades serait un ancien membre d'un gang aux États-Unis où il se faisait appeler Bizo. Depuis son arrestation, la chanteuse Kate Biz n'a pipé mot sur cette affaire. L'artiste connu a mené ses activités, selon le procureur général Ibrahim Bahoum, commando de PASTEF et dirigé par 2 anciens militaires, Kaba Diakité et Famara Mané, alias Niassio, qui sont tous arrêtés. Il préparerait des actes de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles graves.